بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، فيقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق بنفسك العوائد؟ Al-Shaykh ibn Ata'illah al-Sakandari a dit dans ses hikam, dans ses sagesses, « Comment est-ce que les habitudes te seraient brisées si toi-même tu ne brises pas les habitudes ?» Comment les habitudes te seraient brisées si toi-même tu ne brises pas les habitudes pour ton Seigneur ? Autrement dit, comment est-ce que tu espères trouver des ouvertures exceptionnelles ou des choses grandioses que Allah Ta'ala t'accorde dans ta vie si toi-même, tu ne cherches pas à ce que ces choses-là arrivent, si toi-même, tu ne fais pas des efforts dans ta religion et dans ta recherche de préservation, comment est-ce que tu recherches que des habitudes au quotidien te soient changées par des événements extraordinaires, si toi-même, tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne fais pas un effort, lillahi ta'ala, de te préserver, de ce dont il faut te préserver. Telles que, par exemple, les choses interdites, tout simplement. Et comment est-ce qu'on se préserve des choses interdites? Eh bien, c'est en apprenant les sujets élémentaires de la religion. Et c'est obligatoire pour tout un chacun de se préserver de ceci. Pour tout un chacun et des personnes qui sont aussi à notre charge. Nous devons nous préserver nous-mêmes et nous devons aussi préserver les gens qui dépendent de nous, du feu de l'enfer, en leur enseignant la religion. Allah tabaraka wa ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ô vous qui avez cru, préservez-vous vous-même ainsi que vos proches, أهليكم, donc vos proches, que ce soit vos épouses ou vos proches en général, d'un feu dont les combustibles sont des pierres et des gens. أجارنا الله تعالى من النار. Qu'Allah تعالى nous affranchisse du feu. Qu'Allah nous aide et nous guide sur le chemin de la science. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et celui pour qui Allah Ta'ala a voulu du bien, il lui facilite dans l'apprentissage de la religion. Il lui facilite, il lui enseigne littéralement sa religion. Donc il lui facilite l'apprentissage de sa religion. Celui qui apprend la religion, c'est un signe qu'Allah Ta'ala a voulu pour lui du bien. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الباري العشماوي في باب الصيام من كتابه المتن العشماوية. L'auteur رحمه الله تعالى dit dans son livre: parmi les conditions de validité du jeûne, s'abstenir de, ici deux choses il va mentionner, du rapport charnel et de manger et boire. D'accord. Nous avions parlé d'autres choses avant ces choses-là qui sont indispensables à la validité du jeûne. Nous avions aussi discuté de qu'est-ce que l'auteur ici veut dire par condition. Nous n'allons pas revenir dessus en détail, c'est-à-dire. Mais ce qui est voulu par condition ici, c'est-à-dire ici, à ce sujet, pour certains points qu'on a mentionnés, et ainsi que pour ces deux points ici, le rapport charnel, s'abstenir de ceci, s'abstenir de manger et de boire, eh bien, c'est que ce sont des piliers. C'est un pilier du jeûne, c'est un rukun, un pilier du jeûne, de s'abstenir du rapport charnel et de manger et boire. Ici, l'auteur, il a formulé ce jugement d'une manière simplifiée et d'une manière résumée. Il y a deux éléments ici qui sont centraux dans la définition même du jeûne. Les deux éléments, c'est le fait de s'abstenir à tout ce qui est lié au rapport charnel. Tous les rapports charnels, donc les rapports intimes, sexuels, et les choses qui reviennent à cela. Il faut s'en abstenir aussi. Nous allons donner des exemples. De même que s'abstenir de manger et boire, il faut s'en abstenir. Et tout ce qui revient à cela aussi, tout ce qui revient à manger et boire, il faut s'en abstenir. C'est-à-dire ce qui a un jugement semblable à cela, il faut s'en abstenir aussi. وَمِنْ مَقَاصِدْ وَمِنْ حِكَمْ وَمِنْ مَعَانِي الصَّوْمْ الْإِمْسَاكْ مِنْ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ.
de parmi les buts, les significations et les sagesses du jeûne, c'est s'abstenir des deux plaisirs. Min ash-shahwatayn, min shahwatayn, min shahwatayn al-batn wal-farj. Les plaisirs du ventre et les plaisirs de l'organe génital. Wa ma kana bimarnahima. Et ce qui est aussi du même, dans la même signification que ceci, ce qui revient au plaisir du ventre et au plaisir de l'organe génital. Donc, le ventre, c'est clair, manger et boire. Nous allons détailler ça, Inch'Allah, ou Ta'ala aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire par manger et boire précisément? Les plaisirs charnels, donc liés à l'organe génital lui-même. Avoir un rapport charnel avec son partenaire, par exemple, ou toute personne qui est licite pour nous. Il faut s'en préserver. Ou ce qui est dans le sens de cela, donc le sens de manger ou boire sans être mangé directement ou boire, le fait de fumer par exemple. À Tadrin, il faut se préserver de fumer pendant la journée de Ramadan. Si quelqu'un fume et qu'il est en train de jeûner, son jeûne n'est plus valable. Maintenant, qu'est-ce qui est tel qu'un rapport charnel, mais sans en être un en tant que tel? De quoi est-ce qu'il faut se préserver et qui revient à un rapport charnel, mais sans être un rapport charnel? Eh bien, tel que les préliminaires à cela, les préliminaires au rapport charnel, de sorte à ce qu'une sortie de manie s'en suive. Si quelqu'un, il s'adonne au muqaddimat, les préliminaires, muqaddimat al-jima', les préliminaires du rapport charnel, et ceci lui provoque une sortie de manie, eh bien, ceci annule son jeûne, même s'il n'a pas eu de rapport charnel en tant que tel. Donc, il faut aussi s'en préserver. Maintenant, nous allons un tout petit peu détailler. Nous sommes dans un cours pour personnes qui abordent le jeûne pour la première fois, pour certains d'entre vous, selon le fiqh maliki, et nous allons détailler ce qu'il suffit pour comprendre ce que veulent dire ces termes ici. S'abstenir du rapport charnel. Quel est le rapport charnel? Le fait qu'il y a ce qu'on appelle une pénétration, à savoir le fait qu'il y a une occultation de l'extrémité de l'organe masculin dans l'organe féminin. Une occultation du gland dans l'organe féminin. Ça veut dire que l'ensemble de l'extrémité, l'ensemble du gland de l'homme, a été occulté dans l'organe féminin. C'est ceci ici qui est voulu par le rapport charnel. Et c'est ça dont il faut se préserver pour la validité du jeûne. Maintenant, l'auteur aussi a dit « manger et boire ». Manger et boire. Manger et boire, qu'est-ce qu'il en est voulu réellement? Oui, question sur ce qu'on dit maintenant. C'était par rapport aux préliminaires. Quand tu avais expliqué que si la personne, en fait, elle doit éviter les préliminaires, ça veut dire que même si maintenant, on va dire, la personne, elle prend dans ses bras son partenaire, mais juste faire un câlin, si ça peut provoquer une sortie du manie, ça, il faut qu'elle s'en préserve. Si elle sait que sa nature n'est pas de sorte à ce que ça provoque une sortie de manie, c'est makruh, c'est détestable. Ok. Si elle sait, elle doit absolument pas le faire. Si elle sait, elle doit absolument pas le faire. C'est ça. Donc j'ai répondu à la question d'un frère qui demande si la personne, elle enlace par exemple son partenaire pendant une journée de jeûne, juste ça, il faut qu'elle s'en préserve. Et la réponse c'est, donc en détail, j'ai détaillé la réponse, et je lui dis que si la personne qui fait ceci, elle a l'habitude que normalement ça ne provoque pas une sortie de manie, eh bien c'est makruh pour elle de le faire, c'est makruh, c'est détestable pour elle de le faire. Mais si ça provoque une sortie de manie, dans ce cas-là, c'est si elle sait que ça provoque une sortie de manie et qu'elle le fait, c'est interdit. D'accord. Et si ça provoque effectivement une sortie de manie, le jeûne est annulé.